Le dispositif de Normandie ancien est une mesure fiscale visant à inciter les investissements dans l'immobilier ancien à rénover dans le but de dynamiser certaines zones urbaines. Ce dispositif, une extension du célèbre Pinel, offre une réduction d'impôt sur le revenu aux particuliers investissant dans des logements vides à rénover situés dans des zones spécifiques pour les mettre en location. La loi de finances pour 2024 a prolongé ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2026 en ajustant également les taux applicables aux investissements via des SCPI. Pour être éligible, l'investisseur doit acquérir un bien entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2026, entreprendre des travaux représentant au moins 25% du coût total de l'opération et louer le logement nu comme résidence principale pour une durée de 6, 9 ou 12 ans. Les travaux doivent être réalisés par une entreprise et améliorer significativement la performance énergétique du logement ou créer une surface habitable supplémentaire. Les investissements bénéficient de taux de réduction d'impôt variant de 12 à 21% selon la durée de location, plafonnée à un investissement de 300 000 euros. Pour les investissements via des SCPI, les taux de réduction sont alignés sur ceux des investissements directs. Pour profiter de cette réduction, le contribuable doit déclarer son investissement lors de sa déclaration de revenus annuelle en joignant les documents justificatifs tels que le bail, l'avis d'imposition du locataire et une note détaillée des travaux effectués.